Écoutez, bonsoir. On va faire discrètement rentrer les artistes parce qu'ils vont se placer dans les deux premiers rangs. Je vous remercie de bien vouloir accueillir nos artistes de la soirée. Thank you.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Pour cette soirée autour de la place des femmes de la musique classique, alors je ne vais pas vous dessiner avec les chiffres, sinon je crains de faire fuir toute la salle tout de suite. Mais j'ai quand même en tête une statistique donnée par la SACD assez récemment qui montre qu'il y a plus d'étudiants, deux que d'étudiants, dans les conservatoires, les écoles de musique, dans les formations autour de la médiation culturelle. Et en fait, au fur et à mesure des années, quand on remonte la pyramide, les femmes n'apparaissent plus. Et on peut évidemment se désespérer de ce constat, mais je pense qu'il faut surtout le comprendre. Et c'est pour ça que ce soir on est ici, et que j'ai autour de moi des intervenantes et intervenants de grande qualité. Alors, on va commencer par les hommes.
mettre en valeur des femmes qui ont, comment dirais-je, détruit certains mythes. Et ça fait du bien à tout le monde. Et bon, il y a beaucoup de femmes communistes maintenant, il y a des trompettistes. On a joué avec des jeunes trompettistes récemment, Lucien Bonnard-Marie. La contrebasse aussi, au basson, tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que j'apprécie tout ce que dit Yassin. Il y a cette espèce de mythe de la puissance aussi, que les femmes n'auraient pas. Et hier, il y avait à la Grande Librairie, il y avait toute une émission qui était consacrée aux femmes écrivains. Et il y avait une psychanalyste, Sarah Chiche, qui parlait justement de cette puissance et qui a parlé de Anne Dufour-Mantel, qui a écrit La puissance de la douceur. Peut-être qu'on en passe au sérieux. Et c'est intéressant, je rebondis sur l'expérience que nous avons vécue cet après-midi en centre de détention. On était avec le chargé des affaires culturelles de la prison de Fresnes qui racontait que pour les concerts de musique classique, il ne les donnait quasiment pas auprès du public féminin parce qu'elles avaient plutôt envie de se dépenser, de bouger, d'entendre de la cumbia, de la musique qui les faisait danser, alors qu'auprès d'un public masculin, il n'y avait aucun problème pour leur proposer des programmations même douce, calme, sensible, alors qu'on aurait tendance à dire que les hommes n'ont pas cette sensibilité, cette petite fibre féminine qui n'apprécient pas forcément cette question. La difficulté, ce n'est pas le privilège uniquement des femmes. Et là-dessus, n'est-ce pas, Emmanuel André ? Je confirme. Là-dessus, peut-être que je me tourne. Attends, on pourrait dire aussi par premier, c'est qu'il y a quand même 2800 détenus à la prison pour hommes en fait, et qu'il y en a 224 à la prison pour femmes. Donc on est plus utile pour le plus grand nombre aussi. Je me tourne peut-être là-dessus quand même sur un autre cliché, peut-être perdu encore aujourd'hui sur le répertoire féminin et masculin en tant que compositrice. Quel est votre regard là-dessus ? Est-ce qu'il y a une différence ? Ben, je vais faire un tour des augures, mais je ne suis jamais posé cette question. Quand on lit un livre, on a bien longtemps, fort longtemps, qu'on ne s'occupe plus de savoir si c'est un livre de femme ou un livre d'homme. Pour moi, c'est à peu près la même chose pour la musique. Je vais juste rebondir une seconde sur ce qu'a dit Claire pour la cornice et la contrebassiste. À qualité égale, je suis pas sûre, il n'y a pas tellement de cornistes hommes qui jouent aussi bien que la corniste, pareil pour la contrebassiste. Elles sont supérieures. Oui, parce qu'elles sont vraiment extraordinaires. J'ai rarement entendu des musiciennes de ce qualité. Je voulais juste dire ça pour avoir travaillé beaucoup avec cet orchestre. Ça veut dire qu'il faut être attentif au problème. On le résume très facilement. Il y a tout ce qu'il faut comme instrumentiste formidable, mais ceux qui ne font pas attention fonctionnent avec leur réseau habituel. Donc, l'habitude, c'est les réseaux d'hommes qui marchent bien. Et même avec mes meilleurs amis dans l'orchestre, tu sais, quand je leur dis qu'on a un manque d'un instrument, naturellement ils me proposent un homme. Je dis t'as vu ? Dans la prochaine, oui, pardon. Mais il faut être attentif, il faut surtout être vigilant, il faut être complètement vigilant, c'est certain. Mais pour ce qui est du choix des instruments, je pense qu'il y a un gros travail à faire en amont. Parce que le temps qu'on donnera des cuisinières, des voitures aux garçons quand ils sont petits, l'enfance n'est pas ouverte, on va dire ça dans tous les colloques, mais c'est quand même la vérité. Je crois que c'est dès le départ qu'il faut donner cette confiance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand musicien et qu'ils ne m'ont jamais dit tu es une fille, tu vas faire ça pour moi, c'était de la musique, tu m'as dit tu vas faire de la musique, et puis tu écoutes pour la musique, et puis tu vas la donner. Donc pour moi, ça a toujours été quelque chose de tellement naturel que je ne me suis pas posé la question d'être compositeur, qui a déjà dit je jouais. Même que je sois femme ou homme, ça ne va jamais me poser de problème. Je vois autour de moi qu'il y a forcément des problèmes. Et une chose qui me fait peur, une chose qui me fait un petit peu peur, et ce soir c'est merveilleux parce qu'on est en train de débattre sur quelque chose, donc c'est une musique qu'on a entendue par ces musiciens et ce violoniste magnifique, c'était extraordinaire, mais je vais tout de suite dire que ce qui me fait un petit peu peur, ce sont les concerts de femmes compositeurs, tant qu'on n'appelle pas des concerts d'hommes compositeurs. Je crois que je crois pour moi en la parité avant tout. Je crois que c'est ça qui est très important. Et en ce moment, un nouveau festival qui a été repris par Sophie Lacasse, Turbulence Sonore, et elle fait très attention, elle est vigilante, comme tu disais, à ce qu'il y
y ait beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes. Et ça, je crois qu'il ne faut absolument pas l'oublier, c'est-à-dire vraiment ouvrir l'œil et être dans un mélange. Sinon, on va revenir aux écoles de filles, aux écoles de garçons. Ne pas être dans l'exclusif, forcément. Et ça serait bien revenir. Peut-être juste sur ce point-là, je pense que quand on fait un festival consacré aux œuvres de compositrices, je pense que, par exemple, notre œuvre de Claire Baudin, je pense que c'est simplement aussi, enfin, voilà, comme un outil. C'est-à-dire que, évidemment, le but ultime, c'est pas qu'on se pose la question de savoir si c'est écrit par un homme ou pour une femme, ou par une femme, ou si c'est joué par un homme ou par une femme. Le but ultime, c'est d'avoir en face de soi des êtres humains qui sont en train d'interpréter quelque chose qui est écrit par un ou d'autres êtres humains. Et que, à un moment donné, d'avoir cette politique volontaire, si on appelle ça, comme vous voulez, quota, tout ce que vous voulez, ce sont des outils pour permettre d'avancer. Sont complexes et que malgré tout, on a vu de plein d'autres situations, à un moment donné, c'est ce qui permet de franchir un cap et de tendre vers quelque chose qui devient plus normal. Et ce que je disais sur les représentations associées en ce moment, c'est que ces représentations-là, elles bougent, elles se transforment, elles ne sont pas immuables et qu'effectivement, il y a un travail de fond à faire. Ça commence du plus jeune âge, ça va jusqu'au bout et jusqu'à jouer des œuvres de femmes qui n'existent pas plus ou d'hommes qui n'existent pas plus. Il y a un autre quelquefois, on croit que ça, comme on vit dans des milieux privilégiés, intellectuels et bien, quand même, assez avancés sur ce sujet, on ne se rend pas toujours compte qu'il y a un énorme travail à faire. Lundi dernier, je présentais ton œuvre dans un lycée professionnel commercial, ça a mis le temps, et je parlais de tes morceaux, et j'ai fait voir le tableau, parce que ta musique illustre un tableau de Théodore Boulard, qui a fait 4 minutes de musique. Ça s'appelle La soupe du soir, et ça se passe dans une ferme de la campagne de la Sarthe. Et en présentant ce très beau tableau de la campagne profonde, je propose aux jeunes qui étaient là, je dis, il n'y a pas quelque chose qui vous choque, hein? Non, non, non. Ah, vous êtes sûr? Regardez qui est debout et qui est assis. Oh, oui, c'est la femme qui est debout et qui sert les hommes qui sont assis. Mais ça, c'est normal, me disent-ils. Alors, il y en a qui disent, oh, on bled, ça serait normal, mais ici, ça devrait plus être comme ça. Et ils ont eu un discours, et il y avait des jeunes filles de 16-17 ans qui disaient, mais quand on aime son mari, madame, c'est normal de le servir et d'être doué. Ensuite,
qu'on peut découvrir une très belle personnalité, tout de suite l'inviter. Et en un an, on peut gagner le terrain qu'on a perdu pendant 10, 20, 30 ans. Souvent on dit, ben vous savez, on prend souvent l'exemple des chefs d'orchestre et des compositrices, donc vous n'êtes pas là d'ailleurs par hasard, parce que le stéréotype fait que c'est la fonction suprême, une forme de côté démiurge, on dirige, il suffit d'une main pour que le collectif s'anime, ou alors on crée le répertoire de l'avenir, donc ça, ce sont des fonctions quand même trop précieuses pour les confier à des femmes, c'est ce qu'on a dit très longtemps. Et l'argument qu'on invoque très souvent, c'est de dire, mais moi je veux bien inviter une femme chef d'orchestre, est-ce qu'elles ne sont pas bien, elles ne sont pas prêtes, j'en connais pas. Il faut avouer que cet argument est totalement irrecevable, parce qu'on ne va pas les chercher, parce qu'on ne les connaît pas, et elles existent, elles ne sont pas forcément dans notre environnement proche. Quelquefois, elles ont des verrous, des freins, elles sont découragées, elles sont censurées, il faut quand même le dire. J'ai fait l'exercice, moi aussi, parce que je préfère le concret, donc je me suis fait une sorte de bible. J'essaie de voir parmi les chefs qui faisaient carrière, qui commençaient carrière, qui avaient fait carrière, qui elles étaient. J'ai cherché un peu, beaucoup, une centaine, 150 personnes qui font carrière. Donc ensuite, il suffit de les contacter, de leur faire des propositions, mais c'est pas si compliqué. J'avais un collègue à Stockholm qui a fait un très beau geste. Il a programmé une saison totalement paritaire d'œuvres d'hommes et d'œuvres de femmes, toute une saison. Alors, vous imaginez travailler avec son orchestre, avec les musicologues, avec les interprètes, pour susciter des recherches de répertoire. Et à la fin, la démonstration n'était pas si difficile que ça à faire. On a tous découvert des fantastiques musiques, et à la fin, on était très contents d'avoir fait cette expérience ensemble, et qui était très profonde, très bénéfique. Donc, si on se rapporte à il y a 4 ans, 5 ans, il y a eu des grandes polémiques à Paris, je ne vais pas les citer, mais la vertu de ces polémiques, c'est qu'il y a un avant et un après. France Musique n'était pas étranger à cette polémique, d'ailleurs, si je peux le rappeler. Mais quand on a parlé avec les personnes directement impliquées par cette polémique, je lui ai dit, mais tu sais, au moins, ça aura la vertu de rendre désormais de tels propos totalement impensables après. Donc peut-être tu n'en es pas fier, mais moi je sens que ce sera possible ainsi dorénavant. Et je trouve qu'à 4 ou 5 ans après, c'est déjà le cas. Donc je pense que ça va aller assez vite. Imaginez. Et du coup, j'ai envie de réagir par rapport à tout ces concours
où il n'y a qu'une femme, c'est pas acceptable. Où il n'y a pas assez de candidates, mais je suis d'accord avec toi, qui se présentent. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'Anaïs était présente. La meilleure candidate de mon cours, c'était une jeune chinoise musicale. Non seulement elle était une petite mince, mais en plus, elle avait une béquille. Alors, imaginez, traverser l'orchestre avec une béquille et la diriger assise. Mais assise, elle avait un charisme, un rayonnement, une autorité. Et tout l'orchestre était vraiment emballé. Et mais de temps en temps, elle chantait avec sa voix de soprano pour faire voir à l'orchestre des choses. Ils rigolaient tout ça. Oh, maintenant, je te vois, qu'est-ce que tu veux ? Vous voyez, ils se moquaient d'elle. Et là, je me suis battue pour qu'elle aille en finale. Il y avait donc plus que trois candidats en finale. Eh bien, le Mexicain a refusé de voter. Il dormait quand elle dirigeait. On s'est donc retrouvés à quatre. Et j'ai réussi qui était un assistant de Mona, qui m'a dit oui, je suis d'accord avec vous. C'est bien qu'on a voté deux pour elle et deux, et les deux autres ont voté pour un garçon vénézuélien. Donc elle devait avoir un premier prix ex aequo. Eh bien le président du jury a non, 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 elle a eu un second prix. Vous voyez jusqu'où il fallait. Et c'est quand même en septembre 2018 avec dans un grand centre universitaire et le FUNAM. La lutte continue, c'est pas. Ça, c'est la discrimination caractérisée. Il n'y a pas que les femmes qui en souffrent. Je me souviens à la cour de chant à Saint-Pétersbourg où j'étais, l'unique contre-ténor dans vos imaginaires mon cours russe s'est passé lundi. Qu'est-ce qu'il a dégusté à l'époque de cette grande polémique, on parlait très souvent de la place des femmes en direction d'orchestre. On s'agite avec des chefs d'orchestre autour d'une table et un chef sûr de lui me dit non, hors de question, russe lui aussi. Lui, voilà, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec toi. On fait râler un petit peu et puis finalement je m'aperçois que ça va le faire. Le dîner passe et il glisse à la fin du dîner. En fait, je crois que je t'ai compris. Tu sais, quand j'ai commencé la détection, on m'a dit, tu sais, c'est pas un métier pour femmes. Parce qu'en fait, il était homo en Russie. Mais vous imaginez, il n'avait même pas non plus lui-même connecté la discrimination dont il avait été l'objet de celle dont sont l'objet des femmes. Donc, les cloisons sont très hermétiques. Donc, ce qui m'intéresse aussi dans ce combat, on peut l'appeler comme ça, ou cette conviction, disons, c'est qu'il y a cette discrimination, mais il y en a beaucoup d'autres. Elle est générationnelle, elle est raciale, elle est stylistique quelquefois. Et à l'inverse, quand on repose la question de la direction d'une femme, qu'elle soit pour une institution, à la tête d'un orchestre, compositrice, moi ce qui m'intéresse c'est de repenser même la direction d'orchestre grâce à ce débat-là. Je me souviens Hyacinthe des débats que nous avions au conservatoire sur le sujet, Claire, quand. En fait, on interprète la position du chef d'orchestre, on la surinterprète, on la surstéréotypise, c'est-à-dire c'est le pouvoir suprême, donc la décision ne se discute pas, on fait ce que le chef dit. Alors que ce qui est intéressant, c'est que les femmes, mais pas que les femmes, mais aussi les baroques, les ensembles contemporains, etc., disent non, une décision, ça peut se partager, on peut vivre très bien sans un chef suprême. Ça, cette question. Et découle en fait des débats sur la direction qu'on fait, par exemple. Tout à fait, yes. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on soit que ça fait système. Tu disais tout à l'heure, ça va changer rapidement. Oui, bien sûr, on espère que ça change rapidement, mais c'est pas si simple parce que les choses sont système. Et notamment, il y a des phénomènes de différenciation, masculin, féminin, c'est des termes, vraiment un des premiers termes des appellations qui nous permettent de désigner les choses. Ça désigne aussi. Mais c'est aussi de manière sous-jacente des phénomènes de hiérarchisation. Et tant que ces hiérarchies de l'ordre ont implicite, qu'est-ce qui est le pouvoir créateur, qu'est-ce qu'on voit comme étant de l'ordre de la création, ça revient à ça, ça revient à vraiment penser ce qui pour nous fait l'essence de ce qu'on estime être le plus grand art, etc. Et là, on voit bien qu'il y a des hiérarchies stylistiques, etc., qui en découlent, qui font qu'on attribue certaines choses à l'ordre. Certaines œuvres de femmes, on sait, plus douces, plus ceci.
on voit bien qui est appelé pour faire certaines activités en direction de certains types de public et pas d'autres. Et des places plus prestigieuses, notamment les publics pédagogiques, par exemple. Et pourtant, Dieu sait que je trouve que c'est extrêmement important, mais c'est renverser ces hiérarchies à un moment donné aussi.
Oh!
toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie de faire l'effort d'aller en effet programmer des compositrices. Mais je me demande, il y en a beaucoup qui disent souvent que normalement, alors c'est bien gentil de programmer des compositrices, mais il n'y a pas de Mozart au féminin, donc en gros, voilà, on va éviter, on va en faire un petit peu du 2%, ce qui est actuellement la tendance. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Ça m'aidera aussi de mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes qui disent et qui affirment qu'il n'y a pas de Mozart au féminin et que programmer des compositrices n'est pas forcément une priorité? La question est ouverte. Est-ce qu'il y a un Mozart au masculin ou au féminin? Non, mais bon, pas de nouveau, non, mais vraiment sur l'histoire de dans l'histoire de la musique. Mais c'est qu'on a Mozart, on a Beethoven, on a tous ces grands compositeurs, et à côté, c'est vraiment un peu qui ressort très très souvent, c'est peut-être pas des femmes scandales, mais qu'on n'a pas eu de compositrices aussi importantes que Mozart, aussi importantes que Bach et que Beethoven, et que par exemple, on verra pas le faire. Capacité de remplir une salle. Ça prend beaucoup de choses.
Mais quand tout le monde pour les interprètes aussi. Oui, bien sûr. Tu as joué comme ça dit. Non, 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 mais déjà pour être programmé. Et on dit qu'il y a une invisibilité des femmes dans les médias, à part la Aliette. On dit que les grands talents féminins, en tout cas, ne sont pas assez bien exposés. Mais quand on voit ce que font les médias féminins, surtout les journaux féminins, Marie-Claire, elle, etc., les titres, c'est sur les cheveux, sur le maquillage, sur la sexualité, jouir ou pas jouir, c'est assez effarant. Donc on n'est pas aidé sur le plan de la médiatisation des talents féminins. Et cette invisibilité de ces talents, eh bien, fait qu'on n'est pas autant invité parce qu'on a moins de capacité à remplir une salle. Hein, ça c'est important. Et puis, il n'y a pas assez d'inspiratrices. On sait que quand une femme a un grand talent, elle inspire beaucoup d'autres jeunes. Et comme ces femmes-là ne sont pas non plus bien mises en valeur, bien c'est difficile de déclencher des vocations chez les jeunes femmes. Il y a la grande responsabilité des médias. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment qu'un des objectifs, c'est de visibiliser les femmes, notamment les compositrices, et essayer de les ressortir. J'ai l'impression que ces dernières années, certaines institutions, certains orchestres s'y mettent tout doucement, après arriver à 50%. J'ai l'impression qu'il n'y a que aux États-Unis que certains orchestres y arrivent. Ma fille,
Bourdonnais, pour ne pas le nommer, a dit cette grosse bêtise. Il y a fait Pierre de Vacher qui a été aussi donné les cours. Il faut quand même vraiment été lui-même dirigé par des femmes. Donc je crois qu'il a fait souvent une grosse gaffe. Parce qu'il n'est pas aussi méchant que Donald par rapport à ça. Mais c'est tout en amour ce travail. Et je ne sais pas ce que j'ai encore oublié après de le dire, c'est qu'il y a combien beaucoup d'hommes. De la part des programmateurs aujourd'hui, sortent un petit peu de nos arbres.
cherchent d'autres répertoires. C'est aussi une demande des artistes qui ont besoin de ça pour s'exprimer et puis pour pas dire que tout le monde ait la même chose à proposer, mais aussi pour pouvoir proposer des choses différentes des collègues. Et donc je pense que l'éclosion des femmes, des compositrices femmes, à mon avis, en tout cas dans les prochaines années, encore plus exposée qu'aujourd'hui, aussi par cette demande-là. Alors que ce soit les femmes ou les compositeurs dont tu parlais, hommes excellents, dont on parle jamais et qu'on n'entend jamais. Mais je pense que ça va être vraiment une demande aujourd'hui. Tu savais déjà, mais que ça va être de plus en plus. Et que ça va permettre de découvrir, de redécouvrir des choses qui ont été oubliées pour notre période. Mais c'est fou de penser que les artistes sont les premiers demandeurs, comme tu es en train de dire, que souvent les programmateurs performent bien, l'effet de ressortir et de ne pas jouer pour la énième fois, circuler les deux, comme ce soir. Après, je me demande, je me tourne vers vous, peut-être Emmanuel André, est-ce que ça se vérifie sur le public, sur la présence et sur la narration? Est-ce que vraiment c'est un risque, un très gros risque d'aller faire ressortir des œuvres comme ça de plusieurs compositrices? Ça nous mesure le risque de donner la salle, le volume, les interprètes, pour ne pas prendre tous les risques à la fois. Si vous programmez un jeune interprète avec du répertoire inconnu dans une grande salle, c'est sûr qu'il n'y aura pas de miracle. Mais si vous demandez à, je me souviens par exemple d'un disque de Christian Zimmermann qui dédié un disque, un album complet, chez Grammophon, une compositrice absolument inconnue polonaise, bon, tout Christian Zimmermann qu'il est, a réussi à l'imposer. Et il le ferait de la même manière en concert, il l'a fait en concert. Donc il a profité de sa notoriété pour. C'est notre travail de programmateur, d'organisateur de concert, de trouver la bonne balance. C'est sûr que c'est facile d'aller à l'échec. Ensuite, ça tue des initiatives suivantes. Donc on a une forme de responsabilité. Si on a un échec, ça montre que ce n'est plus possible. C'est comme programmer une jeune chef dans une mauvaise situation et l'amener à être en défaut, c'est contre-productif, c'est même dangereux et ça ruine les efforts qui ont été faits précédemment. Donc ça, c'est notre responsabilité. Et il s'agit de bien partager ce risque pris, d'évaluer ensemble, de savoir comment on va arriver à quelque chose de satisfaisant. Ensuite, la curiosité, il faut en parler aussi. Il faut le faire savoir au public. Pourquoi on doit être curieux? Pourquoi on peut être curieux? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Quand on programme aussi un répertoire, c'est bien de savoir pourquoi on programme, de donner du sens à la musique. Programmer des notes, je n'ai pas de problème. Si je sais pourquoi je programme, qu'est-ce que je mets à côté? Si je programme telle et telle musique, à chaque fois j'ai l'impression quand même de dessiner un message. Donc, si je suis sûr d'avoir une forme de message que peut percevoir le public, il peut me suivre même avec des musiques qu'il ne connaît pas, ou il va suivre l'interprète même avec des musiques qu'il ne connaît pas. D'où l'intérêt d'avoir des thèmes, des festivals, pour des personnes qui n'auraient pas soit la connaissance de la musique en général, ou soit qui peuvent se rapprocher à d'autres enjeux. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais c'est très important de sortir de nos débats de musiciens, d'aller vers d'autres formes de public. En fait, ça c'est notre débat entre musiciens classiques, mais il y a des personnes qui se fichent totalement de savoir si c'est un homme ou une femme qui a composé cette œuvre. Parce que peut-être qu'ils ne connaissent déjà même pas la musique, ou la musique classique en particulier, ou la musique contemporaine, ni bien particulier. Il faut amener la confiance au public aussi. Je pense, viendra en effet pour écouter forcément la même, pour découvrir la musique, et si on la porte bien, il n'y a aucune raison qu'il y a sur nous-mêmes. Vous voyez, récemment, là, on a fait un week-end que j'ai appelé Spirit, sur le côté spirituel, on a invité Hervé Perth. Donc on a élaboré une programmation de ce type-là, mais on a vu un esprit, n'importe qui peut comprendre ce qu'on cherche, une sorte de musique qui transcende, qui laisse suspendre l'humanité. Ensuite, vous pouvez programmer une femme indistinctement, puisque c'est le message porteur, il est déjà posé. Alors, un dernier point, et après on passera sur un autre débat. J'avais entendu une jeune fille qui faisait partie d'un orchestre universitaire, complètement amateur, qui me disait qu'elle avait vraiment envie de jouer l'œuvre de compositrice, mais qu'elle avait un frein matériel, qui était des partitions. Comment on peut détourner, ou je ne sais pas,
échapper à ce drama des partitions qui soit n'existent pas toujours, ou coûtent cher, ou sont réédités. Comment on peut faire? Les éditeurs sont très très bien à ce propos, parce qu'ils vendent des partitions en quatuor à cordes avec chanteuse, et des jouets au Bouffe-du-Nord, un concert de quatuor à cordes, 1600 euros de location en le concert. Comment voulez-vous qu'après, les structurer en vie, pour graver contemporain? C'est pas forcément de la musique contemporaine, si on pourrait être, imaginons une liste par un contemporaine de Beethoven. Les musiques non éditées ou en bibliothèque, on les copie à l'heure. Je veux dire, c'est pas impossible, même pour un interprète. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, enfin, quand on est pianiste, c'est long, hein. Ça se scanne. On fait appel à un psychologue qui a travaillé sur ce répertoire et qui les a forcément changés. Je vous parlais tout à l'heure d'une chaîne, mais il y a vraiment une solidarité, la recherche des personnes qui peuvent nous aider. C'est une arrivée importante. Très bien. Écoutez, on va passer au dernier débat de finir en musique en beauté sur la grossesse, la maternité et la musique. On a eu un exemple cette année assez récent de Julie Fuchs qui a été virée d'une production, La Flûte Enchantée, enceinte de 4 mois. Elle était engagée par l'institution, elle a été virée parce qu'il y avait une atteinte à l'intégrité artistique, qui était enceinte et pour sa santé, pour le danger. Donc je pose la question, est-ce qu'on peut arriver à allier grossesse et musique classique, notamment quand on est artiste? Je me tourne vers vous, comment on fait? Comment ça se passe? Voilà, comment on fait? Non, je pense. C'est fait, moi, effectivement, c'est pas mieux, parce qu'on a une petite fille de 2 ans. Comment on fait? Moi, ça m'a jamais handicapée. Alors, si, c'est pas mal. Les 3 derniers mois, avec le grossesse, c'est vrai que ça, il faut prendre en compte. Ça dépend des instruments, oui. Après, c'est vrai que les premiers mois, il ne faut pas trop prévoir de choses quand même. C'est-à-dire que oui, on peut. Il faut réussir à effectivement aménager l'emploi de temps de manière à ce que, on va dire, 2 mois avant et 2 mois après, il ne se passe pas trop de choses actives, on va dire. Anticipées. Voilà, ça, il faut. Oui, voilà, exactement. Et puis les hommes ont le droit aussi d'être là pour un bébé. Et de mettre entre parenthèses quelques projets. Notamment, moi j'ai accouché 5 jours en retard et mon mari il était attendu à la radio le jour J. C'était une émission importante, mais il a appelé pour dire je suis désolée, Bon, ben voilà, mais c'est pas juste une histoire de tout. Bon, évidemment, pour les femmes, c'est plus handicapant parce que physiquement on n'est pas forcément bien, etc. Mais en tout cas, ça n'engage pas une vie. Et ça, c'est vrai que c'est important de le dire parce que même je me souviens quand j'étais étudiante musicienne, j'entendais dire des gens, oui, mais ben, tu sais, tu ne peux pas avoir de famille, si tu choisis cette voie, c'est impossible, etc. Et comment on peut dire un truc pareil? On est musicien, d'accord, mais pas des restes humains, et évidemment qu'on peut mettre 4 mois de sa vie musicale à un contre en tête pour faire ce que toute femme peut faire naturellement. Ça, c'est un an et demi qu'on essayait, ça marchait pas, 15 jours après, on était disponible. Alors,
si ça, c'est pas une preuve que ça travaille dans la tête, c'est-à-dire que c'est tous ces intimes, tous ces propos qu'on a pu entendre déjà, ça peut empêcher aussi le corps de fonctionner. Et car j'ai évidemment de me tourner vers vous, vous êtes une enquête, vous avez des musiciens qui, j'imagine, entre parenthèses, ont une carrière, comment vous le faites? C'est-à-dire que de toute façon, c'est pas une maladie d'être enceinte. On a vu des hommes, chefs d'orchestre, dirigés vraiment malades. J'ai vu les derniers concerts de Franz Bruggen qui étaient arrivés avec des perfusions, assis sur une chaise anglaise. J'ai vu merveilleux Jeffrey Perk qui était quand même dans un état d'handicap. Et une femme enceinte n'est absolument pas dans cet état-là. Ça n'a rien à voir. Il y a une forme d'inégalité devant ça qui est incroyable. Sophie Jeanne a dirigé il n'y a pas très longtemps de Carmina Burana enceinte jusqu'au bout, il n'y avait aucun souci pour elle. La directrice de l'Orchestre Véritable de Milan est une femme chinoise. Elle a dirigé et la nuit qui suivait le concert, elle a accouché. Et ça a été un merveilleux concert. Et donc, comment vous faites avec vos musiciens? Comment ça se passe? Moi, j'ai deux enfants, mais je n'ai pas de grossesse puisque je les ai adoptés. Mais ce qu'on peut dire, puisque certains parlaient de du service après-vente, de la maternité. C'est pas moi. Ma génération, c'était pas si facile, mais moi, j'ai rien arrêté. C'est-à-dire que je dépensais tout l'argent que je gagnais de mes cachets pour emmener mes enfants. Des billets d'avion des enfants, de la babysitter, de l'appartement, et voilà, c'était parce que ma génération, mes compagnons, n'auraient pas conçu de m'accompagner et de faire monsieur qui porte la vie. Ça a beaucoup changé. Oui, alors oui, ça va. Oui, je ne pense pas sans parler de monsieur qui porte les valises, mais c'est vrai que bon, moi j'ai parlé uniquement du moment de la grossesse et de l'accouchement, etc., mais c'est vrai que je veux après. Parce que bon, quand il faut partir, là je reviens de en Chine, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, en Chine c'est compliqué d'envoyer des pays, machin, truc, mais quand c'est pas si loin, et que monsieur est disponible, en l'occurrence, moi ça peut arriver puisqu'il est musicien aussi, donc on essaie de, quand on peut s'accompagner, on s'accompagne, et on emmène, ça peut arriver qu'on emmène la petite, et qu'il soit là pour aider à tout ça. Sympa aussi, ça va dépendre de ce qu'on a réalisé, mais ça peut arriver qu'on parte en famille faire des concerts. Il y a une super vidéo qui avait tourné, alors je crois que c'était pas en France, d'une chanteuse qui avait apporté son petit sur la scène, dans le petit de la violoniste qui jouait. Elle était chanteuse, donc elle avait gardé l'électricité en concert, le bébé avait chanté. C'était extraordinaire, mais je reviens encore à Pierre Gilot, c'est en tant que chef d'orchestre, quand vous avez une musicienne qui vous annonce une grossesse, une maternité, comment vous gérez ça avec elle? Comment vous l'avez? Et en effet, comme elles sont plutôt jeunes, dans un orchestre, il y en a au moins une ou deux qui sont enceintes chaque année. Ben, on les remplace, on les met au four, c'est tout. C'est une joie pour tout le monde. Ça s'organise, on ne peut pas commencer. Oui, il y a pas de souci. Emmanuel, je m'exprime quand même. Hein. Tu vas faire des hommes aussi, avoir des enfants, des élever, parce que c'est bien de les désirer, de les faire, et ensuite de les élever, et c'est à deux, à trois. Ça dépend des familles, des tout ça, c'est... Non, mais je veux dire... Si vous avez un 3 à 4, tu es ta femme. Oui, je m'entends. Oh, oui, allô. Bien sûr, grands-parents, aux voisins, enfin, c'est pas si grave que ça. Alors, on a des mécanismes de culpabilisation incessants, en fait, ils sont très bien orchestrés pour... dissuader, disons-le, les femmes de faire ce qu'elles ont envie de faire. Mais évidemment, donc ces petites phrases qui traînent et qui marquent toute une vie, il ne faut plus les laisser passer. Les mecs, on a part à jouer aussi, pour être là, assumer aussi et pas avoir peur d'une semaine avec, en tête à tête avec un enfant et s'en sortir très à l'aise. Mais c'est, je veux dire, voilà, c'est, chacun fait comme il le sent aussi. Pas remplacer des schémas par d'autres schémas tout aussi rigides, simplement chacun
idéalement, le fait comme il le sent. Et quelquefois, c'est difficile aussi. Hein. C'est clair, les tournées, mais c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes, le près du soir, de la nuit. Là encore, les musiciens ne sont pas non plus les plus mal lotis. Une gardienne d'hôtel qui ne dort pas chez elle, ça ne peut pas être simple. Donc, on ne va pas non plus théâtraliser la difficulté, excusez-moi, mesdames, mais. Thank you.